La lumière, ça m'intéressait. Comment mettre en valeur, comment illuminer, comment rendre beau. Alors aujourd'hui, on a rendez-vous avec le directeur des services techniques de la ville de Saint-Florent-sur-Cher. Bonjour. Bienvenue. En prioritaire, c'est donc le parking, finir le premier quartier, tout ce qui est en bleu est fait. C'est du sodium. Ça coûte à peu près... On nous a dit que Caroline était très curieuse, qu'elle aimait bien maîtriser un petit peu tous les domaines techniques. Bah, disons que moi, lorsque j'ai des questions pointues à lui poser, c'est vrai qu'elle est capable de m'apporter toutes les propositions possibles sur le fournisseur, sur la lampe qui est adaptée, ce qui serait le plus intéressant sur le côté rapport qualité-prix. Enfin oui, de ce côté-là, elle est conseillère technique et financière, je dirais même. Ça veut dire que paf, tu te mets à chercher. Voilà comment on fait que la technique, faire les calculs de puissance. Donc ça, c'est le technicien, mais j'aime quand même regarder attentivement. Et puis, ça te plaît parce que t'aimes bien maîtriser l'ensemble ou parce ouais, que ça... parce que j'aime bien maîtriser. D'accord. T'as eu assez de câbles ? Il y avait assez de câbles ? Ouais. Mais toi, t'aimes bien ça, venir sur le terrain ? Ça te rappelle le bon vieux temps ? Ah non, moi, j'étais pas sur le terrain. Moi. T'étais pas sur le terrain ? Tu m'as dit que t'étais technicienne. Oui, mais technicienne, c'est au bureau. C'est pas toujours facile, mais ça me plaît quand même. C'est pas facile parce que justement, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à penser et à gérer. Et des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on gère, mais on n'a pas la main sur tout. Alors, en fait, j'aimerais bien un peu quand même pérenniser l'entreprise. Voilà, l'entreprise, ça fait pas longtemps qu'elle existe, ça fait 2 ans, Cité Hossebourg. Et j'aimerais bien voilà, faire grandir, prendre plus d'impact sur le département du Cher, avoir plus d'impact. Pour moi, c'est un peu ma boîte. Alors, s'il va derrière les mains... C'est pour ça que je te dis, moi, Didier, je me rappelle très bien, Didier, il m'a dit le socle, il était coulé à l'envers. Est-ce qu'il y a une photo de vous dans son bureau ? Il y a mon collègue à côté aussi. Ouais. Un petit chouchou, quoi. Non, il y a derrière aussi. Non, mais on met les équipes. Enfin, c'est important de montrer le travail et puis les gens qui travaillent. On n'est pas tout seul. Monsieur Lecoué qui est au magasin, qui part en retraite bientôt, là, donc c'est maintenant ou jamais, quoi. On va le voir. Anaïs nous a dit qu'il fallait absolument vous rencontrer. Ah, surtout pas. Parce que vous êtes curieux et que vous êtes jeune dans votre tête, elle nous a dit. Je suis jeune de ma tête. On va demander ça à ceux qui sont avec moi. Et là, il s'en va en plus. Ouais, adieu. Oui. Hein ? Adieu. T'aurais voulu que ça dure un peu plus longtemps. Ouais. C'est des gens comme ça qui sont importants pour les entreprises. Anaïs, tout à l'heure, elle disait que c'était une famille. Ouais. Mais on est une famille parce que voilà, on s'entend tous bien. Et quand j'ai quelque chose à dire à Didier, on se prend la tête, on va s'engueuler, mais on va se dire les choses, quoi. Qu'est-ce qui t'a transmis ? Qu'il y a toujours une solution à un problème. Et ça change beaucoup de choses.